a plus de temps. C'est des monstres, ça? Ou des animaux? Des animaux. Comment tu vois la différence? Je l'ai appris dans nos manuels. Ça fait partie de l'entraînement de base. Les animaux n'attaquent que pour chasser ou pour défendre. Leur territoire des autres prédateurs. En revanche, les monstres attaquent sans raison. D'où l'intérêt d'apprendre à les distinguer. Je peux deviner rien qu'à leur odeur s'ils sont... dangereux ou pas. Faut développer ton odorat. Yeah!
Vous faites partie d'Avalanche, pas vrai? Vous inquiétez pas. Je suis un camarade de Broden, à Calme. Il m'a dit que les gardes de la Shinra vous cherchent partout. Vous ne serez pas en sécurité ici. Il y a un vieil embarcadère abandonné dans les marécages. Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas. Je dois m'assurer que les bêtes ne manquent jamais de nourriture. Mais qui voilà? Le destin a voulu que nos chemins se croisent à nouveau. Ah, quel plaisir de vous revoir. Encore merci, vous nous avez bien dépannés. Mais non! C'est toujours une joie d'aider de charmantes demoiselles comme vous. Oh, 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 oh! Dites donc, je ne me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et je suis à votre service. Par contre, c'est pas de chance, mais mon camion roule pas bien aujourd'hui. Je vais pas pouvoir vous transporter. Ce sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il y aurait pas un endroit discret? Un endroit discret, tu dis? Après tout, c'est bien normal de succomber à ses passions quand on est jeune. Ah, je sais. Du côté des marécages, il y a un vieil embarcadère. Il n'y a personne qui va traîner dans ce coin-là. Et je crois bien que c'est parfait comme endroit.
Enflamme-toi. Pas de quartier. Shinra soit là. Bien. Cet embarcadère date du temps de la République. Les barques, c'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mithrid, on arrive à Junon, hein? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager! Attention, danger. Ces marécages sont le repère du Midgardsorm. Oh-oh. Toutefois, un chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi, traversez les marécages à dos de chocobo. Pour toute demande de location, venez au ranch de Bill. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Des chocobos, ça te va? Allez! Allons demander.
Quel plaisir de vous voir, mes amis. Soyez les bienvenus dans mon ranch à Chocobo. Votre camion, il est réparé? Je saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des Chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et ils s'avèrent particulièrement utiles dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais? Non. Eh bien... Leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgardzorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Wow. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez à louer ici? Mais bien sûr. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange, là-bas. Tiens, salut! On a vu l'annonce. On a besoin de Chocobo pour les marais. Alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux? Tous nos Chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein, là, pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus alloués. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêts à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien? 10 000 par personne. Désolée, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1 000 guilds. Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles, je vous le fais gratos. Alors en fait, un de nos chocobos s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse paître librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. C'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi. Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. Je suis désolée. Mon frère ne pense vraiment qu'à l'argent. C'est son travail, après tout. Ne t'en fais pas. Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Oh. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgard? Oui, des bidonvilles. Alors, vous connaissez peut-être Chocobo Sam? Pas très bien, mais...
Oui, je vois qui c'est. Vous savez où il est? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Walmart. Tu essaies de le retrouver? Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien, c'est compris. On le dira à personne. Ah, quand vous attraperez Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes, alors ça lui donnera sûrement envie de rentrer ici. Je vous en prie, jetez aussi un œil à nos articles. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais, si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'harnachement pour Chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. Je compte sur vous pour attraper Pico. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? J'espère vous revoir bientôt. En route. Tâchons de retrouver ce chocobo. Son nom, c'est Pico. On va chercher des empreintes.